caméra 2, ça tourne à l'extérieur, s'il vous plaît. Après Jean Le Cam, grand reporter dans les mers du Sud, voici Jean Le Cam, réalisateur d'un petit film intitulé « Quand l'exceptionnel devient votre quotidien ». Et voilà, un petit surf à bord de Finistère Mervent à plus de 26 nœuds. C'est vrai que l'horizon n'est pas horizontal parce que le bateau il est penché. Donc bon, il faut tourner sa tête, je sais pas dans quel sens, mais enfin bon. Voilà pour les images extérieures. On va revenir à la caméra 1, les studios, caméra 1, allez. L'être humain, il a une capacité à s'adapter qui est assez incroyable. Moi, je suis tout le temps stupéfait par les capacités d'adaptation qu'a l'être humain aux situations qui durent un peu. Et on croit qu'on n'y arrive pas, mais on y arrive quand même. Ça image bien notre sujet du jour qui est l'exceptionnel devient notre quotidien. Tout ça n'empêche pas Jean Le Cam d'être 7e au classement et de se rapprocher de la longitude de l'Australie à grande vitesse. 1800 km plus en avant, ça va vite et fort aussi pour Paul Meillat, 3e, loin derrière les duellistes Armel Lepéache et Alex Thompson. Hier midi, on a passé le Cap Ewin au sud de l'Australie. La prochaine étape, c'est la Tasmanie qui va marquer la séparation entre l'Indien et le Pacifique. Tout va bien, c'est un petit peu fatigant parce qu'il va y avoir du vent fort pendant quelques jours. Au sein du peloton, Fabrice Amédéo trace sa route dans le Grand Sud où il n'avait jamais eu l'occasion de naviguer. Le Sud est en effet à la hauteur de mes espérances. Après, ce que je découvre et ce que je n'avais pas imaginé, c'est que les systèmes météo s'enchaînent aussi rapidement. J'ai eu un passage de front il y a 36 heures et je vais en avoir un peut-être... si j'arrive pas à rester devant la nuit prochaine. Et du coup ça s'enchaîne et c'est assez tonique. Hein. Pour clore cette semaine difficile, ponctuée des abandons de Kojiro Shiraishi, Sébastien Joss et Kito de Pavan, une bonne nouvelle qui nous vient d'Afrique du Sud, de Cape Town. Est-ce que vous voyez pas quelque chose qui a changé là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là sur le bateau? Il y a deux safrans en place. On est reparti.